Cela nous a permis de prioriser cinq thématiques qui étaient les plus importantes pour les professionnels. Je suis Fabienne Delocti, cadre de santé à l'Institut Mutualisme en Souris. Nous avons bénéficié de l'appui terrain ANAP au sujet du développement durable où un certain nombre d'outils nous ont été présentés. On a choisi de les retravailler pour nous les approprier et d'aller questionner tous les professionnels de l'établissement sur ce qui leur semblait à eux prioritaire en termes de développement durable, afin qu'ils se sentent concernés par la démarche et qu'on puisse derrière créer une émulation concernant le développement durable dans l'établissement. Au sein de notre établissement, nous avons créé une équipe dédiée uniquement au développement durable. Cette équipe est composée en fait de directeurs et de cadres de santé, ainsi que nos partenaires prestataires, de façon à avoir une représentativité importante de toutes les entités finalement de notre établissement.